Yo tout le monde, c'est Dadou, j'étais avec GregTV. Aujourd'hui, on se retrouve pour comment créer une course sans camionnette de clown, ou un van clown si vous préférez. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment que j'avais fait pour avoir le camion clown dans les courses, quoi, tout simplement. Alors là, on va se retrouver en mode éditeur pour que je vous explique ça, comment j'ai fait. Alors il aura une manipulation à faire, mais tout simplement pour avoir la catégorie camionnette, mais c'est très simple. On va se retrouver tout de suite. Alors là vous allez donc créer une course, hein, une course casse-cou. Hop, on va se mettre un endroit qui a du plat, quoi. Ouais, on va se mettre ici, quoi, impeccable. Très bien ici. Une fois vous êtes ici, comme vous voyez, vous allez dans Info Course. Hop. Non, excusez-moi, vous allez dans Placer. Vous placez la zone d'activation. Voilà. Une fois que votre zone d'activation est placée, vous faites rond, retour. Retour, vous allez dans Info Course. Une fois que vous êtes dans Info Course, vous allez dans Véhicule disponible. Comme vous voyez, vous avez les compacts, berline, SUV, coupé, grosse cylindrée, excusez-moi, super sportif, sportif, super sportif, non l'autre c'était les sportifs classiques, excusez-moi quoi, là c'est super sportif, les motos, les tout-terrains, les utilitaires, les vélos, véhicules spéciaux, comme vous voyez il n'a pas marqué la catégorie camionnette. Une fois cela fait, vous décochez tout, sauf les utilitaires, là vous les décochez tout. Hop, utilitaire, on laisse. Vous décochez aussi les vélos. Voilà. Comme vous voyez, il n'y a que les utilitaires qui sont couchés. Une fois cela fait, on fait rond. Retour. Quand vous allez dans placer, vous placez votre premier point de passage. Comme ceci. Une fois que vous allez passer, vous voyez là. Là, je suis bien. C'est marqué taille de grille de départ. Vous faites une fois flèche de droite pour faire grande. Grande. Voilà. Maintenant, faut juste trouver le bon emplacement. Que j'ai mon petit truc jaune. Faut juste trouver ça, le bon emplacement. Oh, là, je m'éloigne. On va enlever des joueurs, c'est pas grave. On va mettre 3, voilà. Une fois que vous avez l'emplacement pour passer votre point de passage, comme moi, vous pouvez voir. Vous sélectionnez, voilà, une fois que vous avez sélectionné, vous refaites retour, rond, encore retour, vous allez dans Info Course, vous allez dans, excusez-moi, vous allez dans les véhicules disponibles, comme vous pouvez voir, tout est, est décoché, et là, comme par magie, vous avez la catégorie camionnette qui s'est mise. Une fois qu'elle est mise, vous décochez les utilitaires. Comme ceci, là vous faites retour, voilà, là c'est marqué classe les camionnettes. Après vous avez le Beauville, je sais pas trop quoi, pour ma part c'est le Van Clown, celui-là. Une fois c'est fait, vous faites retour, vous allez dans placer un point de passage, et vous pouvez voir que vous avez bien le camion de clown. Voilà, on va faire un petit test, hein. On va juste mettre un point, voilà, un point. Après pour la course, après vous avez juste à mettre des éléments de décor, hein, tout simplement. Là, on va tester la course. Comme vous pouvez voir, j'ai bien le camion clown. Hop, voilà, normalement, il y aura 2 tours à faire. Ouais. Il y aura 4 trucs comme ça à faire tranquillement, quoi. On va les faire ensemble. Comme vous pouvez voir, c'est fini. Voilà, ok. Une fois qu'après vous avez fini votre course, vous n'avez plus qu'à la sauvegarder et à la publier sur le site. Si ce tuto vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.